Capgemini, du coup, c'est une entreprise spécialisée donc, du numérique, une ESN, présente dans plus de 50 pays donc, dans le monde, 120 nationalités différentes. Et actuellement, à date, nous sommes à 350 000 collaborateurs. On accompagne donc tous nos clients, clients du CAC 40 essentiellement, dans leur transformation digitale et dans l'implémentation de logiciels à destination donc de leurs clients. On recrute plutôt donc des profils de développeurs, de consultants d'applications, donc principalement du développement back-end sur par exemple Strasbourg et Belfort, et consultants d'applications donc technico-fonctionnels sur SAP pour Strasbourg. Sur Capgemini Engineering, qui est une autre marque donc dans l'ingénierie de chez nous, donc on est plus sur des profils donc ingénieur en système embarqué, ingénieur mécanique aussi. On a aussi des profils électroniques en recherche. Ce qui fait qu'on a envie de travailler chez nous, je dirais que c'est la multitude des possibilités qu'on peut avoir, donc en termes soit de projets, de typologie de clients. On a aussi beaucoup de possibilités donc d'évolution. Ça fait partie des valeurs aussi de notre groupe, donc c'est l'audace. On accompagne donc tous nos collaborateurs dans la construction de leur projet de carrière. C'est vraiment un atout que ce soit au niveau local, national ou mondial. L'UTBM, ça me parle, donc principalement aussi surtout parce qu'aujourd'hui donc on est présent dans le cadre du forum pour représenter la marque et aussi parce qu'on a pas mal d'alumni. Donc que ce soit sur Strasbourg ou Belfort, je parle plus au niveau de l'échelle locale. Hein. Pour moi, ça représente une école d'ingénieurs qui a su faire ses preuves de par la multitude des profils qu'on a pu voir passer avec le temps et avec qui on a hâte de continuer de construire une belle relation.